J'ai vu qu'il y avait des murs qui étaient déjà mûrs. Alors je vais en cueillir quelques-unes. Elles poussent dans le lilas, alors la plupart sont très hautes. Mais là, on a de la chance d'en avoir quelques-unes tout près. Elles sont plus petites, alors je ne sais pas si c'est l'exposition, elles sont pourtant face au soleil, mais elles sont toujours très petites de ce côté. Regardez cette abondance de tomates, c'est la première année que j'en ai autant et c'est la première année que je les laisse pousser par terre sans les tuteurs. Je crois qu'elles s'en portent pas plus mal. Les tomates cerises, en ce moment, on en mange une dizaine par jour. C'est pas énorme, mais ça fait bien plaisir parce que c'est aussi la première fois que je plante ces tomates-là. Ça s'appelle des tomates cookies. J'ai gardé les graines l'année dernière. Alors elles sont... Je vais essayer de m'approcher. À maturité, elles sont rouges avec des petites stries vertes. Elles sont super bonnes, elles ont beaucoup de goût. Là on a l'enclos des poules juste derrière, alors elles aiment bien picorer les feuilles, les petites feuilles de tomates qui dépassent. Heureusement elles ne mangent pas les tomates. Thank you.
Je crois qu'il va faire orage cette nuit et ça va faire du bien au jardin. Regardez, c'est tout gris, il y a beaucoup de vent et généralement ça annonce la pluie. Et voilà la récolte du jour, plus des œufs frais, des poulettes et quelques fraises que j'ai trouvées ce matin. Et voilà les tomates cookies, j'en ai trouvé plein d'autres ce soir en allant fermer le poulailler.